Master craftsman. He's a new touch and a great touch. Yeah, no, exactly. Listen, he's done very well. He was a very, very good racehorse for a start. You know, champion 2 years old the year he ran, and then he was a very good 3 years old winning the Irish Guineas and St. James Palace Stakes. And, you know, with his first 2 years old, he had many winners. He had black type winners, and he had a Group 1 winner as well with Kingston Hales. And last year, his first 3 years old, we had the Greg Gapsy, who won the Jockey Club and won the Irish Champion Stakes. And Kingston Hale as well was a superstar for us. And those two horses are staying in training, so hopefully next year will be even a bigger year. Donc effectivement, alors Master Craftsman, c'est la nouvelle flèche grise, un gris producteur de gris et producteur de champion gris, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc voilà, c'est un champion lui-même en course, un très très bon 2 ans et très bon 3 ans aussi qui gagne les Guinées irlandaises et les St. James. Et voilà, avec ses premiers 2 ans, il a eu beaucoup de gagnants, des gagnants de Black Type, un groupe 1 avec Kingston Hale. L'année dernière, donc The Greg Gapsy qu'on connaît bien en France puisqu'il a gagné le Jockey Club, mais il a aussi gagné les Irish Champion Stakes et Kingston Hale aussi, qui est deux chevaux qui a son entraînement. Donc grosse année en perspective en 2015. A big year also in 2014. Was it the European, the Coolmore Golden Rocco? He was, you know, he covered plenty mares. He covered just over 200 mares, so plenty quality mares, and you know, so hopefully, you know, in 2 or 3 years time, we'll see that on the track, and he should have a very, very big year then. Alors donc, Master Craftsman a été le Rocco d'or de Coolmore. Il a saillé 220 juments en 2014. Est-ce qu'il peut faire encore plus en 2015? Non, voilà, exactement, il a essayé beaucoup de juments. Je pense qu'on a atteint la limite pour un cheval en saillie dans une année. Donc on verra ce qui se passe après, mais il va saillir beaucoup de juments encore cette année avec les résultats qu'il a eu en course et les résultats qu'il va avoir.